C'est juste pour vous avertir qu'il y a quand même quelques gilets jaunes qui sont parmi vous, parce que les gilets jaunes sont aussi pour le climat. Je pense qu'on est dans l'année où il y a la réunification de tous les rassemblements. La décroissance, c'est un petit peu un chemin entre un monde actuel incohérent et inopérant et un monde à construire qu'on ne connaît pas encore et qu'on essaye de définir et d'apprendre ensemble. Nous sensibilisons, nous informons et nous soutenons une consommation responsable, tenant compte de la santé publique, de la solidarité, de la fiscalité, mais aussi, bien sûr, de la protection de l'environnement et de la biodiversité. On apporte de l'information sur les conditions animales aujourd'hui en France. Parce qu'en fait, tout est lié. On a une analyse qui est vraiment systémique de la société. On est du coup en train de prôner, comme beaucoup d'autres ici, une transition sociale et écologique, car l'un ne pourra pas aller sans l'autre. Nous sommes sûrs que ne pas consommer d'emballage ni de déchets est bien meilleur pour l'environnement. Pas d'énergie pour le produire. Pas de rejet de polluants dans l'air ou dans les sols lorsqu'on s'en débarrasse. On milite sur cette problématique et on promeut autant que possible les nombreuses solutions existantes. Donc on vous invite, en fait, habitants des villes et des campagnes, à vous bouger, parce que là, c'est notre avenir qui est en jeu, c'est l'avenir de vos enfants.